Des cons, il y en a partout, on peut pas les compter. Oui, mais comment savoir si on est concerné? S'il y avait marqué con sur tous les fronts des cons, on les reconnaîtrait, on les contournerait. On les contournerait. Il y a les convertis, trop contents d'être cons, les inconditionnels de la connerie. Ils se sont reconnus, ils se sont concentrés, et puis ils ont formé la confrérie des cons. La confrérie des cons. Les cons se reproduisent, et j'en suis consterné, car ils sont déjà cons bien avant d'être nés. Autant de convictions dans la reproduction, ils ne seront jamais en voie de disparition. En voie de disparition. Il y a le concubinage, inventé par un con, pour donner des complexes et faire des conjoints, pour faire du mariage un conditionnement. Dans la société de consommation, de consommation.